Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première pêche de l'année. Donc on est fin mars, j'ai pas eu l'occasion et le temps surtout d'aller à la pêche avant. Pas mal de travail et puis l'année dernière aussi j'ai moins pêché que d'habitude parce que j'ai rénové ce bateau cabine. Donc ceux qui voudraient voir un peu la réfection complète, j'ai fait une petite vidéo que je vous mettrai en description juste en dessous. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour une pêche en rivière. J'ai profité des belles températures là pour une fin mars. Là, il fait 20 degrés aujourd'hui. Je suis en t-shirt. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, le but de la pêche, c'est déjà de se retrouver, se reconnecter un peu avec la nature. Là, se retrouver au calme. Donc là, je me suis installé sur un poste qui m'offre pas mal de possibilités. Parce que sur ma gauche, ça fait un petit élargissement, donc une zone de calme avec un contre-courant. Donc je pense que la nourriture doit venir un peu stagner un peu dans ce contre-courant. Et comme c'est assez calme, les carpes, j'espère, viennent y retrouver un peu de repos. Et puis là, donc sur ma droite, j'ai quelques branchages dans l'arbre, dans l'eau, pardon. J'ai quelques voilà un arbre un peu couché. Donc bon, j'espère qu'il y a quelques carpes qui traînent dans le secteur. Donc fidèle à mes habitudes, bon, au niveau montage, rien de spécifique, hein, un plomb lourd. Et puis j'ai utilisé pas mal le dèche assez décollé, des bonhommes de neige ou des pop-up. Parce que je suis pas sûr que les carpes soient très très vivaces, parce que l'eau est encore assez froide. Donc on va essayer de les stimuler par tous les moyens possibles. J'ai aussi fait des petits sacs solubles, donc voilà, hein, des pelettes et puis quelques morceaux de bouillette dedans, histoire de vraiment créer de l'activité et de l'attraction juste autour de mes montages. Donc voilà, rien d'extraordinaire, juste que voilà, je vais pouvoir passer un peu moins de 24 heures sur l'eau. Je suis vraiment content. Bon, l'année dernière j'avais fait une première sortie après avoir fini le bateau, j'avais tout refait le bateau sauf une seule chose, les rails de sécurité, et il avait pris l'eau au niveau des rails. Donc là je viens juste de terminer, j'ai tout refait, tout remastiqué, repeint et tout. Donc bon, j'espère que cette fois le problème d'entrée d'eau est réglé et que je vais pouvoir profiter du bateau cabine. Donc je vais lancer les cannes. Comme la rivière est petite, j'ai pas emmené d'annexe, hein. Et après je vous ferai faire un petit tour du bateau et puis voir un peu les installations que j'ai faites. Allez, c'est parti! Sur le sol, j'ai mis une espèce de mousse là, antidérapante. Un peu qu'on peut mettre pour les garages ou même pour faire des salles de sport là. Donc j'ai mis ça à l'arrière, donc c'est plutôt bien, ça évite que ça fasse du bruit, trop de bruit quand on tape le talon d'une canne ou qu'on fait tomber quelque chose sur le pont. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc maintenant je vais vous faire la visite de l'extérieur. Donc j'ai pour gagner forcément de la place, que bon, même si c'est plus grand que mon bass boat d'avant, mais c'est pas non plus un yacht, hein. Donc il faut quand même essayer de trouver des moyens pour gagner de l'espace. Donc bon, je positionne le tapis de réception sur le toit. Voilà, ça prend de la place sur le pont. Donc là, je le positionne là, puis je vais le chercher si j'en ai besoin. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait pour aménager un peu le bateau avec les différents éléments. Donc je suis parti donc sur 2x2 cannes, donc un rod pod de chaque côté. Donc c'est des rod pods de la marque Mac 2, hein. Ils sont bon marché. Et puis on verra ce que ça donne dans le temps, mais ça a pas bougé d'un pet. Donc pour l'instant ça me convient très très bien. Donc au niveau des supports arrière, c'est important. Parce que en bateau on va aller souvent pouvoir pêcher près des obstacles.
au plus près des poissons. Mais bon, faut être sûr de ne pas perdre une canne si on a un départ un peu violent. Donc pour le système des supports arrière, bah, j'ai fait un double système. J'ai donc ces supports-là qui sont maintenus par des élastiques et des boules. Donc bon, avec ça bouge pas un pet, hein, ça peut tirer, il y a pas, ça bouge pas, c'est pas de problème. Et le deuxième support, c'est un support avec aimant. Donc ça vient se clipser là, et quand on tire, hop, ça, tac. Donc là, je suis hyper serein, je sais que ça peut pas bouger, et puis je vais pas perdre une canne bêtement sur un départ un peu violent. Donc pour fixer les rod pods, ce que j'ai fait moi, c'est que j'avais une cornière en inox qui était montée sur le bateau, que j'ai découpée en quatre en fait, et que j'ai fixée aux quatre coins du bateau. Comme ça me permet de fixer l'étrier du rod pod sans abîmer la fibre du bateau. Donc voilà, c'est pris sur l'étrier, et j'en ai mis donc aux quatre coins du bateau. Comme ça, quelle que soit la configuration de pêche, bah, je peux mettre un rod pod d'un côté ou de l'autre, un dans un coin et puis un autre dans un autre coin. Donc voilà, je pourrais m'adapter à un peu n'importe quelle configuration de poste et puis positionner les rod pods comme j'ai besoin. Donc là, pour l'occasion, pour l'amarrage, bah, j'ai utilisé en fait deux poids à l'arrière, donc un de chaque côté. C'est des poids qui font 15 kilos. Donc pour les poids, bah, j'ai ma belle-mère qui m'a gentiment donné une ancienne masse de tracteur qui faisait 30 kilos. Donc j'ai coupé en deux et ça me fait deux poids de 15 kilos. Et puis là, pour l'occasion, je me suis amarré à un arbre pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. J'ai mis des tendeurs plats comme ça, qui me permettent de garder le bateau bien en tension pour pas qu'il bouge. Donc voilà au niveau de l'équipement à l'arrière pour le côté typiquement pêche. Maintenant on va regarder un peu l'aménagement intérieur. Alors sous la porte, il y a un petit espace là, donc ça permet de ranger du matériel qu'on n'utilise pas. Moi j'ai mis une petite caisse avec dedans une trousse de premier secours et puis une petite trousse pour tout ce qui est toilette. Voilà, donc c'est vrai que petit espace mais qui permet d'aller ranger un petit peu de matériel, c'est toujours ça de pris. Donc voilà l'intérieur de la cabine, donc bah, une porte avec du plexi hein, pour pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc ouverture avec une poignée. Hein. Donc le liège pucé dont je parlais, donc vraiment top, hein, isolation, voilà. Pas du tout d'humidité et puis ça a gardé quand même en partie la chaleur. Donc là, un petit coffre en dessous avec les affaires qui servent pas trop pendant la session. Le système électrique qui est juste là, donc avec donc deux chargeurs USB, un chargeur à une cigare et puis trois interrupteurs. Donc là, il y a deux interrupteurs qui sont fonctionnels pour les lumières. Donc voilà, les rampes à LED d'ailleurs top, ça éclaire super bien, c'est parfait. Donc les deux couchettes, hein. Une couchette là, une petite extension au milieu, et puis bah, la couchette que j'ai utilisée pour cette nuit. Donc pour ceux qui auront un peu peur, moi je fais donc 1m83 et je loge sans souci dedans. Hein. Donc voilà, donc c'est pas un leaking size hein, bien sûr, mais voilà, on peut coucher sur le dos ou sur le côté, tout va bien. Donc voilà un peu l'intérieur du bateau. Donc en espérant que bah, j'ai quelques poissons à vous montrer. Déjà un, je serais déjà ravi de faire un poisson. Bah déjà parce que c'est ma première vraie sortie en bateau cabine, donc ça serait bien de l'inaugurer.
Et puis parce que comme j'ai pas eu l'occasion de trop de pêcher ces derniers temps, ça me ferait plaisir de faire un poisson, même si c'est pas un gros poisson. Je serais vraiment ravi de faire un poisson. Donc, eh ben écoutez, je vais mettre un peu dans la cabine, au chaud là, et puis j'espère vous montrer quelques petites écailles. Allez! Bah cette fois c'est un gros barbeau qui est venu me rendre visite ce matin. Bon, c'est les joies de la rivière, hein. On sait pas toujours sur quoi on va tomber. Voilà. Alors c'est le genre de poisson que j'aimerais prendre quand je pêche au feeder. Mais bon voilà, là aujourd'hui c'était sur les canacarpes. Bon allez, on va lui rendre sa liberté. Bon voilà, on va faire un petit débrief de cette première sortie de l'année. Comme je le disais, j'ai décidé de sortir le bateau cabine que j'ai rénové l'année dernière. Donc j'avais déjà fait une première pêche en toute fin de saison l'année dernière, mais j'avais eu un petit problème de prise d'eau. En fait, les vis qu'il y a sur les rails de renfort du boom en dessous étaient plus étanches, donc j'avais tout refait sauf ça, et voilà. Donc j'ai fini de réimperméabiliser tout ça en début d'année 2022. Donc déjà le point positif c'est qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée, il n'y a pas d'eau dans la cabine, c'est nickel, donc ça je suis plutôt content. Premier point déjà très très de soulagement. Deuxième point, moi j'avais déjà l'habitude de pêcher en bateau, mais à bord d'un bateau alu type bass-boat, un petit bass-boat que j'ai pour pêcher le carnassier. Donc ça change vraiment la vie, hein, par rapport à une barque classique qu'on adapte pour la pêche de la carpe et un bateau cabine. Ça, pour moi, c'est vrai que ça c'est pas du tout pareil. Déjà au niveau stabilité, je suis vraiment surpris. Là, c'est un boom 4-15 et franchement, c'est super stable. On peut bouger, ça tangue pas dans tous les sens, même quand on se lève de la couchette et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Le fait que on puisse tout aménager dedans. C'est vraiment top. Donc j'avais fait l'électricité, les couchettes, j'avais fait l'isolation. Et notamment l'isolation, le liège pulsé, c'est vraiment vraiment top. Parce que cette nuit, on est fin mars, hein, donc il fait encore très humide. Ça a gelé même un peu cette nuit, et dans la cabine, c'était pas du tout humide. Donc ça, c'est vraiment chouette, parce qu'il n'y a pas d'eau qui ruisselle ou qui nous tombe sur le coin du museau. Donc ça c'est vraiment top. Je vais vous présenter quand même un poisson. Cette nuit j'ai fait un poisson, une commune pas forcément énorme, hein, mais moi franchement ça me fait plaisir, parce que après avoir été un moment sans pouvoir pêcher, pas trop le temps à cause du boulot, pas trop le temps à cause de la rénovation du bateau, le fait de pouvoir être au bord de l'eau en plein soleil hier dans l'après-midi, c'était vraiment vraiment top. Tout seul au milieu de la nature, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et bon voilà, j'étais récompensé cette nuit par une commune pas forcément énorme, mais bon qui m'a bien bien fait plaisir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la première à me rendre visite à bord du cabine. Donc une commune toute dorée. Voilà, ça fait plaisir. Il n'y a pas que le poids. Là c'est la première. Première de l'année, première à bord du bateau cabine. Donc je suis très content. Voilà, donc on va lui rendre sa liberté, et puis on va clôturer cette première sortie. Donc je suis content, hein, plein de points positifs.
Ça m'a permis de voir s'il y avait deux trois petites choses à modifier, mais globalement ça va, tout est opérationnel.